Tout d'abord, nous tous qui habitons à partir, nous voyons que dans toutes frontières, l'exigence demande que l'un passager à partir, faut que vous preniez mesure biométrique. Mesure biométrique, ça veut dire tout ça que le corps fait et qui propre uniquement à vous-même. Par exemple, mesure biométrique, là, c'est en dedans de nous, vous avez une empreinte. Chaque monde a une seule empreinte, pas jamais une empreinte qui semble l'autre. Donc, après ça, vous avez un visage qui a une photo. En plus, nous devons dire que c'est hauteur. Ça, ce sont des mesures. Mais l'organisation internationale qui est l'OACI, est basée que le passeport électronique que nous allons gagner, que bientôt que nous allons gagner, et que tout le monde supposé répondre à normes et exigences. On a vu les équipements dans tout aéroport où on a un équipement, une caméra. Il y a un lecteur d'empreinte. Il y a un lecteur passeport et puis ordinateur. On a pris tout passeport sous la tête que nous avons dit l'organisation que nous avons essayé. L'ivoyel avec, depuis nous avons un petit passeport, il y a un logo ça la donne. Petit carré, ça veut dire que son passeport qui est le passeport électronique qui a plus la donne. En donnant plus ça, il y a un prêtre monde. Et un prêtre monde, il doit, l'œil passé là, appareil là, il doit correspondre. S'il ne correspond pas, il doit être imposteur et ça va dépendre de loi pays, en pile bagaille qui arrive. Nous allons faire une démonstration sur ça. Mais, il faut me dire un petit bagaille. D'après la loi internationale, donner, commencer, non. Date de naissance au monde et sans compter ratio même sexe au monde. Yo classifié yo comme des données confidentielles. Données confidentielles, ça veut dire que ou pas doit partager sous peine de sanction. Donc, c'est dans optique ça nous voulons faire une formation avec la presse qui ensuite pour montrer moun yo à travers le monde. Et si nous gain temps, nous ka montre qui ça ka fait dans l'autre pays en matière de ça. On nous prend pays par nous. On y a comme on dit. Je vais changer mon pied passé. Ok. On va l'essayer. Là, m'imaginez que là, c'est. Nous sommes opérateurs. Cap monté sur ordinateur. Ok. Par exemple, image ça nous est là, n'a pas de que pour ne pas publier. Pour qui ça? Parce que son software confidentiel. Ça nous va montrer nous, c'est nous va montrer nous que lorsque quel que soit point d'entrée et de sortie, mais qui j'en va réagir. Et il y a des détails que nous ne pouvons pas montrer, mais c'est pour montrer qui j'en ça doit faire. Le monde qui a dit à vous. N'avez pas essayé de mitiger, pas de problème. Parce que c'est formation. Ça, c'est software l'État haïtien payé. Jean, directeur Chantou, lui t'a dit. L'homme particulier. Opérateur, agent immigration, si son moun yap qui criminel qui a cherché, rapidement, l'a gagné donné à son même. Il va bien t'en sauver. Ça, son premier bagage. Parce que sécurité commence dans prévention, après ça, il prend reste. Mais qu'on y a, nous pas le prendre. Et ceci, ce n'est pas seulement pour Haïtiens. L'on parti gen deux, gen doit rentrer ou gen doit sortir. Nous avons fait une séance de simulation. Nous ne pouvons pas entrer dans tout le détail, mais nous avons fait une séance de simulation. Par exemple, nous disons que monsieur ça a parti. Nous ne connaissons pas qui est lié. Ok? Là, le passeport ça, ça c'est relé et pas un vrai passeport lié. Son passeport, il est un spécimen.
son façon que d'ap simuler une situation. Kounia là nous mettez passeport. Qui ça qui passe? Automatiquement système ça qui gagne plus en dedans parce que vous pas prendre photo. Photo a en dedans plus en dedans livrer. Et plus ça, quel que soit pays où rivé la veille, parce que gen koun ya pays, yo pas servi avec nous encore, c'est des machines. Yo rele yo automatique get, ça il y get et dou déposer mon ou pa wè moun photo fait, empreinte fait, sou bon ou passer, sou pas bon ou rete. Donc koun ya la système que la koun ya la prend les mesures biométriques. Par exemple, yo va vérifier empreinte là. Cliquez là. Comme on dit que le détail nous pas prêt. Machine empreinte là. Directeur, mettez-moi. Non, je vais parler de maintenant. Bon. Pas j'en parle. C'est au même là. Donc. Machine empreinte là. Ou elle veut elle dit que 4 boîtes de sabot. On va regarder. Ok, il vérifie. Mais, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail parce que depuis le marqué OK, il est bon. Après ça, nous allons prendre un exemple pour ne pas marquer OK après ça. Maintenant, tout qui ça qui fait dans le système? Le système vérifie ça que l'intégrité document. Est-ce que le document n'est pas falsifié? Après ça, nous allons vérifier. Après ça, nous allons vérifier parce que vous connaissez. Nous avons des bagages que nous relais manifestes. Lorsque vous entrez dans l'avion, lorsque vous allez faire board, vous prenez une liste de tout le monde qui est dans l'avion. Eh bien, en Haïti, nous avons un système. Depuis une heure de temps, avant que nous entrions, nous avons un monde qui est entré. Il est entré dans une liste sur les APIS. APIS, ça dit que vous déjà, est-ce que le monde, ça, c'est le monde? Ok? Est-ce que le monde n'a pas une affaire avec Interpol? Mais on a fait avec la fois là gain deux bagages. Si vous déclarez passeport la perdu, qui vous soit ici ou étranger, de vous du passeport perdu, nous obligez voyer dans banque de données internationale de passeport perdu. Passeport ça pas perdu et pas marcher avec. Ça veut dire que vous son monde que passeport ça faut prendre parce que vous déclarez le perdu. Mais comme ça tout, si Interpol a cherché au monde même côté assistant d'Antil parce que système là il connecté avec vous. Pabli est à l'heure, directeur Chanchou, il dit nous. Si en 2017, vous avez un pile problème, l'heure ouvert CRLDI, même Jean Oué, dans tout CRLDI, côté déposé, même côté à donner à venir, et bien c'est comme ça tout dans le passeport, quel que soit loin ou entrer à même côté, bon système central de communication qui permet de partager les données pour que vous ayez plus de sécurité dans les données. Donc, système là, il vérifie après tout. Et là, il y a bonne possibilité ou un visage là. Nous faisons comme ça là pour mesure de sécurité. OK? Mesure de sécurité parce que bon loi internationale qui dit nous pas droit divulguer identité monde. Ouais photo monde n'en paraît, il va comparer avec photo ça que ouais si c'est monde. Donc, nous truquer là de manière à ce que pour tout vous comprendre. Mais qui ça s'arrête? Ça s'arrête reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale là, en plus le monde qui a pris le film, il va apparaître devant, et puis un serveur qui divise le visage en quatre, il dit que ça c'est un tel, que ça pas un tel. Et bien c'est software ça. Que l'État haïtien, que le gouvernement haïtien, que le président est rentré dans la normalisation internationale. Nous c'était le dernier pays dans la zone que l'homme n'a pas entré, nous pas fait contrôle biométrique pour lui. Contrôle biométrique a dit que pas de prendre empreinte lui, il pas de prendre photo de manière que pour comparer à base de données que nous gagnons et de manière qu'on y a nous va prendre ça, nous prendre un spécimen, nous va prendre un cas à côté son vrai. Directeur Chanchouli, est-ce que vous voulez entrer dans la démonstration? Allez. D'accord. Pour nous annuler ça, je vais servir avec passeport PAL. Vrai passeport PAL. Vrai passeport PAL, c'est le cas. Oui.
Donc, vous revenez à l'aéroport avec vrai passeport. Et puis. C'est exactement dit, c'est ça que l'inspecteur a gagné devant. Devant. Okay. Et là, pas vrai passeport, moi. La mettez la machine, ça. Là, il y aurait un lecteur qui lit passeport. On est à même côté, il y a un fourril là. Ok? La banalise. Pau, qui ça nous réparait là? Mais zip pour nous pas prendre. Emprunte. Passeport ça que nous gagnons en main nous, tout haïtien gagne en main nous là. Yo gagne une empreinte en vent passeport électronique là oui. Il gagne une empreinte dans base de données. Mais qu'on y a pour regarder est-ce que l'empreinte c'est pour monsieur ça. Nous va regarder est-ce que c'est pour lui. C'est pour nous va regarder ça. Pour nous là. On va rentrer dans tout détail honnête pour des raisons de sécurité, mais partie essentielle là, nous dit monsieur, nous va regarder si c'est pour vous. Fait ça, mettez mes droites, mettez gauche, excusez. Déposez, vérifiez. Ouais, là, ouais, 4 yeux verts. 4 yeux verts, là, ça veut dire que la machine est bien prise en empreinte. Là. On y a, on fait ça, il va vérifier. Il dit, oh, mais ça a lié. On y a, est-ce que ça dit assez vrai? Qui monde qui voulait? Comme cobaye, dans mes temps, là, viens regarder, est-ce qu'on fait le même genre avec un peu de temps? Même façon, nous disons, on va faire. Non, on a. Mais dis-moi, on va faire ça. Ok. On va arrêter. Dis-moi, on va faire ça. Un autre Dieu que. Monsieur, vous m'avez déjà basse. Vous m'avez basse, on va le voir. Donc, on est là. Oui, la Brissette. La Brissette, il a dit que. Photo de passeport c'est pour vous, mais en prêt en bas pour vous. Vous n'avez pas gâté, c'est vrai. Vous n'avez pas gâté. Mais gauche. Non, t'as là. Ok, ma blanche. Ok, me dit, mettez. Mettez 4 bêtes. 4 bêtes. Top 3. Oui. Ok. Donc, vous n'avez pas gâté. Nous, ça, 4 verts. Vert, ça, ça me dit. Ça veut dire que la machine est bien prise en prête là. On y a nous pas regarder. C'est plus parti ça que nous devons montrer nous. Photo, tout le monde qu'on a analysé photo, gélangé, tout le monde voit un tel c'est un tel pas un tel. Mais ça, cela veut dire que. Non, ancien passeport pour n'y a là ou gen empreinte ou là-dedans. C'est une bagaille l'eau asseyi. Ouais, qui ça nous dit, monsieur, ça? Monsieur son imposteur. Parce que passeport dans poche là, il n'est pas égal à empreinte. C'est une situation pour personne, pas de souhaiter. Et qui ça fait ça? Ça fait ça, c'est un gros serveur que nous installé. Il va là. Il y a l'autre côté bien sécurisé. Qui gèta analyser rapidement qui dit moun sa k'ap utilize passeport sa li pa moun et kounya même si nous gen passeport sa pour qui ça nous obligé aller dans l'autre passeport on pas banke dans plus détail ça parce que question de sécurité nous pas vle nous va le montrer nous va le faire nous ouais yon bagay la nous dit que si passeport a bon pour qui ça kounya nous va aller dans l'autre passeport c'est parce que nous gen corps pour nous gaspiller. Oui. Kounia, papi nous dit que passeport est géré par une grosse compagnie internationale qui dépend de l'ONU, qui est l'OACI. Ça me va le passer là. Nous avons, je ne sais que si nous avons bientôt, nous avons un nouveau format passeport ici. Qui est déjà là? Qui est déjà dans le pays? Mais passeport, ça lui-même, il y a plus. Passeport direct qui a été utilisé. Il est obligé d'aller dans la base de données pour vérifier. Mais dans le nouveau passeport, après les passeports électroniques, là, on va marcher avec un prêteur de Porsche. Dans Porsche, parce que plus la gagne là-dedans. Organisation ça, malheureusement, elle est en anglais.
Mais n'a pas celle qui a comprendre qui ça que le passeport électronique. Le passeport électronique, là, on va avec nos signatures électroniques. Chaque fois que nous faisons passeport, nous sommes connectés à un programme vélo PKD. Qui ça PKD? Ça veut dire que dans le calcul mathématique, il dit un bagage que les clés publiques, clés privées. L'État haïtien a donc clé publique et puis étranger a bon en clé privée. Bon, on va nous en simple, bon faire papier, bon deux faire papier là, avec une plume qui s'appelle les clés privées à clé publique là pour nous comprendre. Bon, on fait blanche qui fait que c'est ça qui auto. On fait blanche. Nous allons loin de façon vulgaire, mais très mathématique. On fait blanche, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, je vais faire ça pour couper en deux. C'est ça qu'on passe pour. Dans le calcul mathématique, plume. Ok. Dans le calcul mathématique, ça est le signature électronique. Là. Et puis, ils font une équipe de calcul qui va ça. Pour passer pour ça. Et puis, ils font ça. Pour passer pour ça. Si le papier ça me fait ça, waouh. Moi, je suis le fond ça. Moi, d'où ça, c'est clé pour l'État ici. Allez avec ça. Moi, même ça, tout, je suis le 4 bords. Ou même souvelé, je ne peux pas même. Ou ça, je ne peux pas même, j'en ai ça. C'est ça, il y a en matière algorithmique, y a un cryptage. Yon sécurité de manière que l'État ici c'est un bon passeport, la voie de l'organisation ça, et bien qui ça la paye. Ici en anglais lié, la BCE dit un peu de mots. Salut fait. Et pour qui c'est bon salut? Son pas là. Non. Ok. Oui. Oui. Donc, en détail, ça veut dire que chaque fois que nous allons produire passeport haïtien, et c'est ça que dans tout le pays, nous allons connecter avec le système international, là, la voie donner sacrée les clés, les compagnies. Et chaque fois, le pays, il y a besoin qu'on ait un passeport. Ça, bon, ce n'est pas Haïti qui a besoin de demander, il va demander l'OAC. D'où la nécessité que la campagne que ça a fait, c'est pour nous montrer, nous tous devons aller à l'OAC. Oui, ça fait les clés, une certification de clés, des données qui sont des confidentielles, mais que nous montrer, nous qu'on y a dans la technologie que nous avons. La technologie a dit que passeport, c'est comme un bagage privé qu'on ne peut pas partager à pièce. Donc, c'est dans la voie ça nous lie. Et pour cela, c'est un pile technologie au mettre et c'est pas nous-mêmes qui premier et pas nous qui dernier. Donc en gros, mais ça me voulait expliquer nous en peu de mots mais qui ont pile technologie là-dedans. Merci.